Je voudrais que vous sachiez que en politique, il y a toujours une prochaine fois. Et il ne faut pas se décourager. Vous vous souviendrez que moi, ma candidature aux élections présidentielles a été donc rejetée plusieurs fois. Même ma candidature aux élections législatives de 2000 à Congo, la même que le sol de mon arrière-grand-père, l'empereur Sékou Ouattara, a été rejeté. Mais voilà, aujourd'hui, je suis président de la République. Donc, voyez-vous, ne vous découragez pas. Il y a un temps pour tout. Et je crois qu'il faut faire confiance au parti, faire confiance au processus et vous dire que nous essayons de tenir compte de l'intérêt supérieur du parti. Et nous avons quelquefois fait des arbitrages qui ont pu frustrer quelques personnes ici et là. Et c'est pour cela que je voudrais vous dire que ceux qui n'ont pas été retenus ne doivent pas se présenter en candidat indépendant. Je vous le demande. Je vous le demande avec le plus grand sérieux. Je crois que ceci est très important pour notre parti. Parce que vous voyez, notre parti est un modèle de démocratie interne. Et je crois savoir si la presse dit les choses correctement. Quand je vois les bagarres à droite et à gauche, en haut et en bas, donc je voudrais dire que c'est le seul parti où les choses se sont faites de manière organisée, structurée et en essayant d'engager chacune et chacun de vous dans le processus.